se marie. Bâtiment à commissariat, je sais même plus où aller. Quand ça va pas, pas de chocha, impossible de se barrer. Aucun diplôme, quelques chromes, et je les entends parler. Olympia, Perseidon, mais je me suis vraiment rêvé. Sirène qui sonne, j'ai le sommeil léger. Bouteille de champagne, silicone, faut bien se laisser. Tout le monde! Seul au fond de la seclare, très vite sortir de là. J'avais pas les mots, j'avais, j'avais pas les mots. J'aurais dû la prendre dans mes bras, lui dire que comptait pour moi. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil. Et j'ai jamais su le dire, car de l'herbe et je laisse les gens parler. Je tombe à terre, je remonte en selle, je vois ma vie s'étaler. Coup de première, coup de deuxième, combien de fois j'ai calé. Deviens ton père, deviens ma mère, j'en ai pour quelques années. Assurance, carte grise, du matin au soir contrôlé. Pas de vacances, un petit au quartier, je passerai tout l'été. Influent, marchandise, influent, quoi qu'on dise. Va souvent, suis qu'on vise, deviendra grand, ça ira. Si ça nous fond la seconde. Avec nous. Ouais, they rocked it. You rocked. Lorraine, bonsoir, elle est où Lorraine? Rejoignez-nous. Ah, elle est là. Elle est venue. Yeah. Super. Et Tonia, j'avais pas les mots. J'avais pas les mots. Ouais. Merci d'être avec nous. Oh là là, c'est de la folie ce soir. Vous avez mis l'ambiance. Star Academy ce soir. Merci à tous. C'est plutôt Laouni. Laouni, la fouine. D'accord. Mais je crois savoir que votre fille est grave fan de la Starac. Ma fille est grave fan de la Starac. On fait un gros bisou à Fatima. Bisous Fatima. Bisous. Alors elle est contente de savoir que son papa vient chanter avec les finalistes. Et moi aussi je suis super content parce que figure-toi que je suis tout le temps à la Star Academy. Yeah, super. Tonia, oui. Sur les réseaux sociaux, toutes les semaines, vous faites des commentaires. La Fouine fait des commentaires toutes les semaines. Bah, toutes les semaines, je fais des commentaires. Et c'est important pour vous, derrière vos écrans, de ce soir voter pour Zaira ou Lorraine. Parce que sinon, bah... Bah, il va venir prendre notre boulot, hein. C'est parfait. Et qu'avez-vous pensé de Zaira et Lorraine, justement? Elles ont des univers très, très différents. Est-ce qu'elles ont réussi à s'adapter à vos titres, à votre musique? Merci, 2 secondes, voilà. Merci beaucoup. Ah ben c'est ça quand on est une star, hein, la J'ai pas entendu en fait. Pardon, alors qu'avez-vous pensé justement de Lorraine et Zaira? Elles ont des univers très différents, est-ce qu'elles ont réussi à s'adapter à vos titres? Ben j'ai suivi depuis le début en fait, depuis le premier épisode, et l'évolution justement et les progrès et le travail des professeurs m'a vraiment épaté. Ils ont vraiment gagné en assurance, en présence scénique, En technique vocale, en chant. Et c'est marrant parce que ma fille, à la base, c'est une fille super timide. Et en suivant la Star Academy avec moi, elle s'est découverte justement. Et je la surprends en train de chanter, en train de me dire « Papa, papa, moi aussi je vais être à la Star Ac !» Faut nous l'envoyer. Et, hein. Et c'est juste pour dire que c'est deux univers très différents. T'as Lorraine qui est là avec un univers un peu plus pop rock, un peu plus sombre dans son délire. L'univers à Zaira, c'est plus un... Non, mais c'est vrai, non, mais super bien. Zaira, c'est plus un univers qui me correspond un peu, parce qu'il y a un peu de Beyoncé en elle. Et d'ailleurs, tu sais, Zaira, que tu gagnes ou que tu perdes, eh ben, en sortant de cette aventure, il y aura toujours de la place pour toi sur un projet à moi. Wow, ça, c'est un beau compliment. Et nous, la fouine, il y aura toujours de la place pour Fatima, votre fille, si vous voulez nous l'envoyer l'année prochaine. C'est avec beaucoup de plaisir.